Povil de Paș. 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 Amis chers téléspectateurs, Povil de Paș, bienvenue. Nous venons la caille aujourd'hui pour nous présenter l'émission Paula, l'émission Rémé, l'émission hebdomadaire qui est autant chaque dimanche sur l'écran Paula, Povil de Paș. Avec nous dans le studio, le révérend pasteur Emmanuel, accompagné de Georges Maragos. Aujourd'hui, nous avons gagné dans l'émission noire pour un segment bien spécial qui concernait l'élection dans la primary élection dans Nassau County. Et nous profitons de saluer tout et producteur nous, caméraman nous, producteur nous, Maslin Jérôme qui derrière caméra et non pas ses serviteurs Jean-Bernard Colin qui avec ou capoter Povil de Paș ba ou la ka ou dans petit écran là. Restez branché, nous pour recevoir avec nous premièrement pasteur Emmanuel et ensuite monsieur Georges Maragos. What's going to be my legacy when I leave? C'est la grande question. Bon, depuis on parlait de moi Kounia, depuis on dit Michael.
Téléspectateurs, nous gain avec nous là jodi a monsieur pasteur Emmanuel qui c'est un pasteur dans communauté a premièrement mais tout qui c'est un membre qui très actif qui a contribué dans mouvement sociopolitique qui dans Nassau County. Job li kounya téléspectateurs li là avec nous non seulement un pasteur mais qui sont community leader tout qui a encouragé nous pour nous involve plus dans mouvement politique qui dans Nassau County. N'a permettre Emmanuel introduire tête li avec public profil de page. Ouais, premièrement, moi merci monsieur Jean pour invitation spécialement après-midi à et pour nous parler adresser avec peuple communauté haïtien hein, que c'est moi firme son haïtien tout. Moi fait Haïti et nous gagne en pile temps dans pays là et c'est un plaisir et dès que nous les haïtiens fait progrès et c'est en bénédiction Dieu. Premièrement, non moi c'est frère Emmanuel comme monsieur Jean est déjà identifié. En même temps, nous sommes pasteurs dans la communauté, qui bon Dieu m'appelle dans le ministère. En même temps, nous sommes community activistes dans la communauté. Travaille dans le droit civil, qui est aussi un chairman dans l'organisation qui est le National Action Network, que tout le monde connaît, qui est le fondateur et le président de l'organisation de National Action Network, c'est le monsieur Reverend Al Sharpton. Et M. Chairman, qui a 3 ans d'administration, qui a couvert Nassau County, Suffolk County, et moi, j'ai un monde qui travaille avec moi, avocat, juge, social worker, qui est là pour assister dans l'administration, pour aider. Là, il y a un monde qui a besoin d'aide, il a besoin d'assistance. Il y a un bagage qui passe maintenant, que c'est une police, police violée de droit. Quel que soit ça lié, nous là pour nous assister, communauté, pour nous faire au service. Parce que bon Dieu, nous pour nous faire un travail. Et en même temps, tout, moi, je suis formé une organisation qui est dans les Nations Unies. Tout, okay. Et nous sommes responsables pour la religion et faire. Et nous faisons plusieurs programmes, conférences dans les Nations Unies, à l'organisation. Tout. Okay. Et en même temps, tout, nous chita dans notre board. Nous avons un nouveau board qui nous chita, qui est un board des Juifs, organisation dans le prophète, là dans la Sokantia. Et nous sommes dans plusieurs organisations. Et nous sommes directés dans relations pour public relations, dans organisations qui est haïtienne, clergy, association dans Brooklyn, okay. Qui est under the leadership que le reverend docteur Phil Nicholas, l'église Pêche d'Homme dans Brooklyn, qui est très reconnu. Donc, so, moi, c'est un honneur pour Mchita et moi collaborer et moi servir comité dans toutes dimensions. Et tout le monde connaît, moi, c'est un monde qui a avoué en pile les pourrives sur bagage immigration qui a affecté la communauté noire. Actuellement, c'est un plus gros sujet qui tape, qui est vraiment chaud d'ailleurs, c'est l'immigration bagage TPS. Un gouvernement américain, dans la Nassau County, il y a quelques mois de ça, il a écrit une lettre à la Maison Blanche. Et c'est mieux dans le passé qui a été choisi, qui a signé une lettre là. Donc, so, nous travaillons dans plusieurs organisations, gouvernements, et moi-même, peut-être pas, moi, je suis full-time. Employé dans le gouvernement qui travaille comme communication et public relations et pour office contrôleur là dans la Rhône-Alpes.
Et c'est un honneur pour me servir, et pas seulement dans la communauté en privé, mais c'est un honneur pour me servir dans le gouvernement. Ok. Tes spectateurs, comme nous sommes capables de remarquer, nous avons des gens dans la communauté. Nous avons des gens qui dans la communauté qui ont des valeurs que nous-mêmes nous sommes capables de servir avec eux comme marche à suivre. Nous rencontrons avec le pasteur Emmanuel qui va nous un bref détail de personnalité, de monde lié. Mais, mis à part de ça, nous au courant que nous avons aidé ce chef de campagne, un électeur qui c'est M. Maragos. Comment vous capable expliquer nous comment contribuer et pour mener campagne ça pour lui et comment ou même ou capable inviter téléspectateurs profil des pages pour sortir et voter parce que en pile dans nous téléspectateurs nous connaît que c'est pas seulement élection présidentielle qui gagne gagne élection tout pour Kaontia qui est vraiment important dans tout ça que n'a fait économiquement chaque bill nous gagne dépenses. Si nous pas gagne un bon county cap gérer ça n'a overpaying tout ça n'a fait comment ou même ou contribuer avec électeur ça qui c'est George Maragos. Well, monsieur Maragos c'est un son honorable qui dans l'administration de office contrôleur, il gagne 8 ans d'administration ça, il était électé deux fois parce que maintenant c'est un terme qui 4 ans et il fait un bon travail, il a un bon record. Si on est capable d'électer deux fois, ça veut dire qu'il fait un bon travail, il a un bon record. Monsieur Maragos actuellement et l'administration plus fois le bon Dieu met tout le monde en côté, les mettez pour aider la communauté, pour aider le peuple. Il va mettre là pour être tête. Parce qu'en plus, il y a des gens qui ont des positions, mais ils ne sont pas disposés pour servir le peuple avec tout le monde. Et nous-mêmes, l'homme a servi avec tout le cœur, conscience, ou après différence là. Parce que nous avons mis la communauté en avant, mais pas mettre politique en avant. M. Maragos, raison qu'il a parlé pour lui, il travaille avec plusieurs électeurs officiels, dans le fédéral, state, sénateur, congrès. Il travaille avec plusieurs. Je longtemps que je travaille dans l'administration, m'a aidé balancier dans la communauté pour bagarre campagne. Il y a une appréciation avec M. Maragos. M. Maragos, c'est un monde qui est vraiment très connecté avec la communauté, qui a un bon record, qui a un peu de travail qu'il fait depuis 8 ans dans l'administration comme contrôleur. Et quand il y a M. Maragos, c'est un monde qui a couru pour décider, littéralement, aider la communauté à plus. Et il vraiment, 3 mois de ça, il a fait une grosse conférence sur l'immigration. Malgré le pas dans l'air, vos dimensions d'immigration, malgré le travail pendant fédéral, mais il fait action, il contacte plusieurs agences, administrations, même dans le gouvernement là, dans la Nassau County. Et il en même temps, il a fait une dernière conférence, 3 mois de ça, moi-même, j'ai parlé dans la conférence là, pour le comité haïtien, hein, sur le bagage TPS qui vraiment affecte la communauté. Donc, on a TPS, son bagage, c'est un bagage qui est privilégié par nous, okay. Pas doué nous, mais en même temps, tout, Haïti n'est pas disposé, pas préparé pour être capable de recevoir tous 60 000 personnes. Et il n'y a pas de position pour ça. So, nous-mêmes, comme leader, comme pasteur, ce n'est pas juste you know, nous là pour nous make sure action fait et nous contacter et connecter avec les gens qui sont le gouvernement pour aider le comité haïtien. Lors du bas au moins 6 mois. 6 mois, ou bas au moins 6 mois pour dégager le pays. So, nous n'avons pas qu'à prendre 6 mois, nous avons besoin plus de temps que ça parce que le peuple-là, Haïti a souffert. Sous M. Maragos, c'est comme on dit, c'est un électeur officiel lié, qui est un office contrôleur, qui est en charge des finances de l'administration. C'est le deuxième office qui est plus grand dans l'administration gouvernement, c'est l'office des finances des contrôleurs. Ok, bon, essayer de couper pour téléspectateurs au moment pour qu'on un petit bref détail. Parce que l'hiver 8 ans, il travaille comme contrôleur, ok? Mais qui est important sur le contrôleur gain surtout dans le domaine finance parce que tes spectateurs profil des pages ont besoin de ça parce que contribution ou bail chaque jour dans la communauté que ou vivre là second information bien né but de qui ça un contrôleur dans le domaine finance dans la communauté là la pédo en pile c'est ça qui fait il peut aller do permettre tout qu'on est qui pour raison pour voter tel ou tel monde. Well, office contrôleur, même Jean Fédéral, là, là, il dit Maison Blanche, c'est l'équipe qui est dans l'office. Maison Blanche, pas plus dans l'office. C'est AAS qui est dans l'office. Ah, yeah. C'est aucun. Ah, yeah. C'est même Jean tout avec office contrôleur, c'est l'équipe deuxième et plus grand office administration dans le gouvernement. Et premièrement, c'est eux qui en charge tout budget, finance, toute administration des gouvernements avec PEP là, qui est représenté. Okay. Et l'office contrôleur, c'est office, pas seulement qui
yo pas rapporté ba donc son côté l'argent brasse oui son office indépendant lié okay. Son office gouvernement li son office gouvernement en même temps son office indépendant qui pas rapporté avec législateur qui pas rapporté avec client li rapporté avec peuple là OK qui représenté parce que ça c'est un office indépendant c'est un office qui est administration des finances qui en charge des budgets qui contrôle tout ça qu'a fait et qui en charge qui bail toute autorisation tout ça qu'il faut faire donc tout ça qu'il faut faire c'est l'office contrôleur pour passer parce que c'est eux qui en charge finances budget administration gouvernement donc après 8 ans à travailler dans office okay. Comme ça et monsieur Maragos a acquis une certaine crédibilité oui dans la communauté là voilà monsieur Maragos son qui a une expérience avant d'être contrôleur c'est un monde qui a il travaille dans grand en corporation organisation en banque by sa yon, c'est un monde qui vraiment informé dans bagage finance. Okay. Et deuxièmement tout, monsieur Maragos décide pour courir pour quanti exécutif pour Nassau parce que il réalisé grand pile monde qui cap souffrir. Grand pile monde qui pas joindre service, chien prêt à joindre service là. C'est pas juste nous parler mais pas gain action qui fait. Yeah. Raison moi supporte monsieur Maragos et depuis longtemps de toujours supporter, c'est parce que il gon vision pour communauté là. Et moi même supporte monde qui gain vision. Moun qui parle politique, mais c'est moun qui mette le comité avant. Comme un serviteur de Dieu, comme un pasteur, de voir moi, c'est pour make sure que le peuple a un service, ça a besoin. Et tout ça fait pour être capable de jouer un service, il a besoin. Monsieur Maragos a pris position pour Nassau qui est exécutif. C'est parce qu'il a une vision, il a un agenda. Et il y a une bagarre qui est vraiment focus, c'est la taxe. Donc, okay. On a une taxe dans Nassau qui est vraiment affecté en tout le monde et pour moun qui gen kayo. OK. Les taxes là haut, il est vraiment affecté budget. OK. Sur mon budget et puis qu'on y avait mettre un chèque comme là-dedans, il est vraiment vivre. Et on ka perdre kayo tout. On ka perdre tout, il est perdre kayo tout. Yeah, yeah, yeah. Et nous connaît ça. Et deuxièmement, monsieur Maragos a vraiment aidé moun et il travaille dur comme on dit tout à l'heure, son bagage immigration, son bagage vraiment focus pour peut-être pas son immigrant, peut-être pas son gain expérience. Gain mal pour moun parler. Comme on a fait expérience. Définitivement. Yes, définitivement. Importance immigrant. Et pays, ça a bâti dans immigrant. Et troisièmement, M. Maragos focus sur housing. Les way housing sont bagages qui sont importants parce que grand pile monde qui n'a pas de faute, qui a vraiment cher dans Long Island, appartement est vraiment cher. C'est spécialement Kounia et homeowner, ils ont tout mis les cailloux dans le real estate. Donc, si vous avez besoin de faire mon cas, c'est n'importe trois fois l'argent. Il y a une pour homeowner, il y a une pour déposit, il y a une pour real estate. Là. Oui, en plus, fois, on n'a pas de faute à payer trois coups pour mon cas. Et seulement, pas seulement, on n'a pas de faute, mais on a un petit appartement, on a un bail, quelque chose ça lié, on a un bail de 2000 dollars. C'est difficile. Yeah. On n'a pas assez de coups pour faute. Ça. Li pour aller. Parce que ce n'est pas une obligation, mais malgré ça, on a souffert. Okay. So, ça, c'est une vision, monsieur Maragos, c'est pour créer more affordable maison housing. Okay. Ça, c'est une vision qui fait, et ça, c'est une première administration vision qui ont un quantité exécutif candidat à gagner, c'est pour housing. Parce que plus tu peux créer housing, même j'avais mis dans New York City, vision, c'est pour build, on build housing. Comme si housing ça c'est kay côté aller selon combien cob ou fait. Yeah. So yeah. Ça c'est maison met application il aller selon combien cob ou fait. Après selon combien cob ou fait, c'est comme ça après on décider pour combien cob ou payer appartement. Le comme ça ou ka vivre non plus bon espace pour un prix que ou ka afford. Voilà. OK. Oui, c'est raison ça relève affordable housing, il aller selon combien cob ou fait. OK. So son bagage ou capable cap you know qui habite avec budget. Et quatrièmement, les gagnent vision pour éducation. Dans Long Island, nous connaissons éducation son bagage qui est important dans tout quel que soit côté de notre pays, ça son pays qui croit dans éducation. Yeah. Et les gagnent vision, oui, Long Island c'est une un district, Long Island c'est une county dans New York, en Amérique, qui est bon l'école. OK. Mais en seul bagage qui est affecté, minorité vraiment affecté. C'est raison ça monsieur Maragos a focus sur communauté minorité. L'audio minorité, il y a parlé des Caraïbes, tout le monde ça africain américain, il y a parlé des haïtiens, tout le monde. Et même plus vraiment appuyer sur comité haïtien quand il bénéficie à comité haïtien pas joindre. OK, OK. En plus bagarre moi pas informé. Par exemple comité manque outreach. Information manque sortie pour communauté haïtien. Comité haïtien. En même temps tout manque gain assez leadership.
dans la communauté, nous-mêmes, les spectateurs qui ont regardé nous, mettez notion sur ça. Nous manquons d'involver dans ce qu'a fait dans la soirée. C'est ça qui fait nous gagnons avec nous, la pasteur Emmanuel Jodiala, qui vient, qui a encouragé nous pour nous sortir, pour nous voter pour la primary election, pour nous voter pour candidat que nous sentons qui ont une vision capable d'aider nous dans la situation que nous-mêmes nous vivons. Le comité haïtien a souffert, et pas seulement comme si on parle en tout des minorités, a souffert un peu. En plus, femme on est en position, il va vraiment WeChat connecté avec le peuple, il est déconnecté. Ok. Le monde ou nos administrations, qui sont accomplies, qui sont faites depuis tant ça. Et deuxièmement, tout, quelle vision on a pour la communauté, qui sont capables d'aider la communauté. Ou pas qu'à résoudre tout problème, mais ou qu'à résoudre à l'escalade de 20%. Mm-hmm. Les raisons sont en pouvoir. Sur cette raison, ça m'encourage le comité haïtien. Pour ça, et ma fond grande réunion demain samedi, 14, lundi 14 août 2017, à partir de 7h ou 8h, m'a fait une grande réunion avec tout le comité haïtien. Pour te avoir une chance candidat à venir. Okay. Il y a une chita pour parler avec le comité haïtien. Il y a une chance pour poser des questions. Il y a une chance pour communiquer avec eux en concern qui sont à remettre. Pour que j'ai entamé dans la direction pour qu'on y aille. Et pour les gens qui souffrent, c'est qui fait l'immigration, les familles, les amis, c'est un important meeting pour venir chita. Parce que, en plus, dans le comité, nous parlons dans le meeting. Ok. Nous disons que nous ne pas faire, mais nous ne pas involve, nous ne pas engage, même avec notre communauté. Yo. Mais si nous ne pas engage dans le comité, nous ne pas raconter ce qui a passé. Nous ne pas raconter. Mais si nous ne pas voter, nous ne pas expecter, nous ne pas voter, les gens mourent pour voter. Je dis que ce qui a voté, c'est un bagage, son liberté liée, son opportunité liée pour aller voter. Nous pouvons voter dans le présidentiel. Même dans le présidentiel, nous ne pouvons pas voter. Nous ne pouvons pas voter. À dépasser, qui nous a voté dans le présidentiel. Donc, allez, nous ne pouvons pas voter. Ou bien, nous votons pour. Ou bien, nous votons pour. Et nous qui votons, c'est là que nous avons besoin. Ça qui passe, parce qu'on ne peut pas voter, on ne peut pas faire des votes. Mais ça a conséquence à tout, n'est-ce pas? Voilà. Parce que c'est droit, comme citoyen, comme citizen, pour aller voter. En raison, moi, c'est pour M. Maragos encore. Parce que M. Maragos, c'est un monde qui chita dans le comité. Et le comité connaît les comptes comité. Et il connaît la souffrance communauté. Et les raisons, ça dans toute meeting, toute organisation que le comité a fait, il est toujours pareil. En plus, nous avons pris position, nous avons pris, nous pas paraître. Yeah. Et c'est bagarre qui fait dans le public, tout le monde comme ça. Mais si vous invitez, vous venez nous dire, vous venez parler à la comité, vous ne pouvez pas paraître. Donc, vous ne pouvez pas montrer intérêt pour lui. Vous ne pas montrer intérêt pour le comité. Vous ne pouvez pas intéresser dans le comité. Vous ne pouvez pas gagner temps pour tendre. Donc, si vous parlez dans la position, comment vous avez des gens qui ne peuvent pas attendre, qui ne peuvent pas avoir de problème. Et si vous ne pouvez pas faire le qu'on y a là, si vous ne pouvez pas faire l'administration, je me fais encore. C'est bagarre qui est clair. So, si vous avez invité, vous venez parler. Ou avec le peuple, il ne parle pas, il ne parle pas, il ne parle pas, toujours busy, pas occupé. Les gens ne pas prêts pour servir le comité, j'aime vous servir le comité, parce qu'il n'est pas intéressé dans le comité, il ne parle pas au comité. Si vous avez voté pour les gens qui concernent le comité, les gens qui comprennent nous, les gens qui vont servir, parce que l'élection sont des choses très importantes, je vous encourage pour supporter M. Georges Maragos. Et demain samedi, nous avons un gros clergé breakfast que nous avons fait dans Long Island, dans Elmont, avec tout pasteur, ministre. Le comité haïtien qui te mandé. C'est le ministre qui supporte M. Maragos, il aurait même visionné, approchement, en connexion avec la communauté noire, avec le comité haïtien. En fait, nous supportons. Donc, demain samedi, à partir de 8h du matin pour 9h30, il y a un breakfast côté tout pasteur, collège, association, pasteur, a venu réunir ensemble, il a venu supporter M. Maragos et il y a une chance pour tendre et pour visionner pour le comité haïtien. But C'est pour qui date élection parce que ami profil des pages il y a besoin qu'on ait des informations vraiment détaillées qui date élection. Élection pour être capable de sortir voter. Oui, élection c'est 12 septembre 2017. OK. Nous demandons à voter relais élection Bordeaux dans ce county là make sure vous registrez pour voter. Dernier jour pour registrer pour voter c'est 18 août, dans deux semaines. Okay. Donc, make sure ou registrer, c'est toutefois adresse ou échanger. Ou te gonna non parler, ou te gonna son républicain, ou par contre un républicain, ou voulez un démocrate, pour make sure, et pas seulement adresse la caillou, non, pour make sure dans qui dans parler en que ou choisir. Donc, quel que soit parler ou choisir, pour make sure ou registrer avant
au 18 août, ce dernier jour pour enregistrer. Et make sure adresse correcte et make sure contacter votre élection. Si vous n'avez pas de numéro, vous allez appeler 511 à bon numéro à connecter avec l'office élection board là. Si vous allez 511 ou juste même j'aurai les 311. Même j'aurai 911. C'est même j'aurai les 511 dans Long Island, il y a connecté avec l'élection board là. Vous juste by now, il y a pas d'information, après il y a pas qu'on est sous registré ou pas registré, et il y a mes choses claires. Et son nom mando, monsieur de moi, juge Margos, l'a prouvé comme indépendant, comme démocrate, et comme on dit, visionner, c'est pour supporter le comité haïtien. Moi, c'est pour tout le pas c'est pour tout le parce que je suis en position, c'est pour tout le parce que je suis concerné de la communauté, ou dans des communautés, ou bien dans la communauté, ou participer dans la communauté, ou connecter à la communauté. Donc, et monde comme ça, nous besoin d'un pouvoir. Soit tout passe campé, moi, je passe peut-être pas me camper, c'est parce que moi, j'ai une vision haïtienne à bonne chance. Et gain chance nous gain c'est quoi c'est dernière chance tout et c'est première chance haïtien a gain en tout n'a gain pour être capable voter et choisir un monde qui va camper pour yo qui va présenter yo parce que l'on vote pour un monde voter mon pour présenter yo c'est pas pour présenter intérêt tête intérêt en mille mais c'est un monde qui va le présenter yo qui un monde qui va faire action les peuples là besoin bagage il là le camper pour peuple là OK les monde qui arrive dans position les blier côté sortir blier toute promesse était fait yo. On peut pas nous courir sur position. Monsieur Boras pas focus en politique, comme politicien, mais focus comme un monde là pour on servir pour aider la communauté haïtienne. OK. Un dernier mot pour téléspectateurs profil des pages pour nous passer avec monsieur Maragos qui là ensemble avec nous tout qui vini qui voulait parler directement avec tout téléspectateurs profil des pages. Well, un dernier mot pour téléspectateurs avant nous passer à monsieur Maragos. Well, moi, extrêmement encourageant comme un leader, comme un serviteur de Dieu, comme un pasteur, pour supporter Monsieur Maragos. Vous n'avez pas gagné citizen, vous n'avez pas citizen, mais 10 ans mieux, faire l'autre encourager l'autre à voter le 12 septembre 2017. 12 septembre 2017, à voter pour Monsieur Georges Maragos, approuvé comme pour candidat des Office County Executive. Moi-même, moi supporter lui. Et m'a toujours supporté lui et qu'on maintenant on supporte lui parce qu'il a un bon travail, il a un bon travail, il a une vision pour le comité haïtien. Il y a des gens qui n'ont pas couru pour la position, nous invitons, nous relayons, ils ne sont pas venus. Ils ne sont pas dans la meeting et les gens qui partent maintenant dans l'église, ils me disent non, ils ne peuvent pas parler. Parce que là, nous t'invitons dans la meeting, nous ne sommes pas venus dans la meeting. Vous venez chiter avec l'autre candidat, vous nous entendez. Mais, un monde qui est dans toute meeting, qui est dans tout comité portugais, comité italien, comité américain, dernière fois, semaine passée, maintenant, une organisation côté comité Pongyol, là, ils mettent une réunion, ils font un forum pour tout le monde qui vient des candidats. Ils deviennent. Et puis, comité board président de l'association de Pongyol, là, ils étaient vraiment vexés parce que l'autre monde n'a pas jamais venu. Mais sous, ils font un meeting, ils invitent depuis 2 mois d'avance, ou du monde n'a pas gagné de temps, ou busy. Et nous pas dit ou pas préparé pour servir comité là. Non, beaucoup pas supposé. Beaucoup prêt. So ou pas prêt pour servir comité là, so sou pas prêt pour se pas voter pour. So besoin monde qui disposé qui comprendre comité là et dans temps ça n'a vivre là dans situation yo, j'ai bagarre de yo en gens difficile et nous connaît nos comité noir et en même temps tout moi faut connait moi travaille dans office avocat tout dans Wall Street et nous fait immigration avec la loi pour la famille. Donc, si toutefois, vous êtes intéressé ou vous avez besoin, ou vous avez un riche, moi, je suis capable de téléphoner, je suis capable de relayer moi. Okay. Dans 347 Area Code, 998 4088. 347 Area Code, 998 4088. Moi, j'ai plusieurs programmes qui m'ont fait dans le comité et moi, belong dans, comme on dit, dans plusieurs organisations. Et moi, j'ai un gros programme qui m'a fait dans le comité le 17 mars 2018. Et c'est pour la première fois. Haïtien a une chance ça et son bagage histoire la pied moi veux le comité haïtien plus paraître dans comité là moi veux comme si moi en opposition bon Dieu mettez ni pas mettre en opposition juste comme chita là il mettre en opposition pour aider moi grand madame qui relève notre jour il dit pasteur passer moi besoin petit caï moi connais ou capable reler quelque côté pour moi moi plus que moi background dans département social service moi fait bail public relation depuis 20 ans m'a fait bail ça so moi quand qui côté pour m'aller.
même j'ai tout dans l'office quand je travaille full time, je fais public relation. Mais, je suis dans la public relation à l'enchita, à l'enchita, make sure, si vous avez besoin de travail ou besoin de service, quel que soit ça lié, je suis en contact déjà. Okay. C'est la raison ça, je encourage le comité haïtien, vraiment, engage, le connecter dans le comité présent sur là, ils font grande différence. Vous connaissez faire impact, faire impact dans zone pa de toi vivre là. Yeah. Moi toujours encourager pasteur et pas juste venir prier dans l'église. Peuple là besoin, il a besoin support. Moun y a souffert. Léon moun vient devant un dimanche, il dit besoin prier, il besoin plus que prier. On n'a pas capé kali, mais sous pas dans comité ou pas invoque, ou pas engage. Qui je parler de moun ça là. So faut gagner en ressource le peuple là vient devant, même j'en pas manger spirituel. Oui, Jésus n'a pas juste manger spirituel, il va manger physique. Yeah, yeah. Jésus dit, non, pas qu'à vous, il y a le grand goût, il va manger. Même, c'est comme ça que la food peinture a commencé dans la Bible. Le gars de Moïse, Moïse, c'est un monde, il était faussaire. Aujourd'hui, il y a un faussaire. So, le gars de à travers la Bible, Jésus était plus focus dans l'aider monde. So, c'est là, nous raison là, nous là pour aider monde comme un berger. So, si on est pour me là dans la télévision après-midi, et m'a continué à servir la communauté avec intégrité. Et a toujours servi communauté moi avec tout cœur moi et dans dîner ça m'a fait et m'a fait un dîner ça nous toujours gain étrangers toutes différentes nations dans dîner mais fois ça moi voulais image comité haïtien plus paraître côté m'a fait un gros gala dans quoi ça là côté m'a honoré monsieur Al Chapon comme honneur of the year la première fois ça fait dans comité haïtien so mon courage nous la pour supporter nous la pour aider et moi fait programme ba faire fundraising des programmes pour aider le comité haïtien, comme habitué fait, et que tout le monde qui connaît moi, c'est ça que je toujours fait, parce que je suis là pour me supporter. Merci, merci, et Pasteur Emmanuel, merci d'être avec nous dans le studio Profil de Page. Amis téléspectateurs, nous sommes avec nous, Pasteur Emmanuel, qui est un représentant, c'est... Georges Maragos, et nous pourrons passer tout de suite avec Georges Maragos, qui a donné plus de détails, parce qu'il est là avec nous dans le studio. Restez branchés, nous allons tourner tout à l'heure. Qui vient porter dans les
pa releve san ou pa kote. Chers téléspectateurs, nous gen avec nous Mr. Magos qui a couru qui sont électeurs pour Nassau County Executive qui est avec nous dans profil de page jodi à la. Nous gen en pile question. Nous connaît ou même public haïtien, on gen en pile bagay que ta mais connaît et n'a pas le poser lion question qui vraiment qui t'a semblé aller avec nous parce que lui même tout même Jean lui même lui venir si jodi a la courir pour Nassau exécutif lui même tout c'est un immigrant il était venu ici là avec famille lui il fait ville mais today we want to ask you as you were mentioned before that you are immigrant, you from Greece, you make your life in Canada and you move to New York. Now you're running for Nassau County Executive. How do you feel or how do you see our the situation nowadays with so many Asian people who's under TPS and who doesn't have a legal status right now? Well, America was built by immigrants, as we know. Okay. And that is what makes America so special, that we're a fabric of multi-ethnic, multinational, multicultural. Okay. You know, and we all come with dreams to better ourselves and provide a better future for our children. Okay. And when we stop, promoting or encouraging immigration, I think it's going to be a significant detriment, not only for immigrants, but for America itself. Oh, okay. As an immigrant myself, I know the hardships that immigrants go through to provide for their families and build a better future here in the U.S. They're all hardworking. They're all contributing. And I would not like to see our federal government stop immigration or discourage immigration. If anything, we should encourage it. We should encourage the unification of families and continue to provide through immigration a revitalization of America. Okay. How you gonna contribute in case of elected for Nassau County Executive to our community, our Asian community? I've already done a lot within the power of my office that I brought together an advisory committee of the leading immigration activists to encourage our county executive and the legislature to adopt a friendly and welcoming immigration policy. As we know, the current presidential administration has had or adopted a very aggressive immigration policy that has instilled a lot of fear in our immigrant communities right here in Nassau County. And we need, I've tried my best to alleviate that by calling on the county executive that we should adopt a very friendly and welcoming immigration policy. And as Nassau County executive, I will make sure that we have a friendly and welcoming family immigration policy and certainly encourage you to the Haitian community. I commit to you that it is unjust with TPS. Now, a lot of people have come from Haiti. They've built families. They bought homes here. And it would be unjust for our federal government to send them back. So I would be a strong advocate for our Haitian community, for those people that have come here to stay here. Oh, okay. Mr. Judge, we are really, really happy to have you today in our show. And téléspectateur profil de page, c'est Monsieur George qui a couru comme électeur pour exécutif Nassau County. Nous te gen là avec nous jodi a dans profil de page. Nous encourageons sorti à voter parce que vote ou à chaque grain vote ou bay li important pour nous-mêmes qui vivons dans Nassau County. Comme ça, il est capable de changer le statut, nous, capable de changer position nous. Parce que, Jean Lydia, nous avons des preuves, nous avons des documents palpables que la travaille longtemps pour la communauté, spécialement pour la communauté haïtienne. Yeah, Mr. George, I'm gonna give you a little few more time so you can invite our community to vote and give them the date that they should go out and vote for you. My name is George Maragos, and I'm your Nassau County Controller and currently a candidate for Nassau County Executive.
the highest executive position in Nassau County. We spoke about the many issues being faced by the Haitian community, lack of affordable housing, high property taxes, and inadequate public transportation. We also spoke about the pressing need of immigration support and TPS support for our Haitian residents to stay here in Nassau County and the U.S. But you can help yourselves also in a major way. I'm sure many of you come out and vote in national presidential election, but many of you do not come out and vote in local elections. Local elections are more important to you, I assure you, than presidential election, because whatever policy the federal government enacts, it's implemented by local government, whether it's immigration, whether it's public safety, whether it's, you know, standards in education. Local elections are extremely important, and most minorities, including a lot of you, I'm sure, Haitians, do not come out and vote to raise your voices and have a seat at the table to speak out for your interests and your issues. One vote is important. It's critically important. Your vote is important. If you want to be heard, if you want your issues to be addressed by locally elected officials, you must come out and vote. You have the power, but many immigrants and minorities do not use the power of their vote, and they do not have a voice in government. I urge you, on September the 12th, there's an important primary for Nassau County Executive, a Democratic primary. I urge you, I beg you, for your own interest, to come out and vote in the September 12th primary. It can make a world of difference in your lives, your ability to stay here, the education of your children, and the future of your children right here in Nassau County. So again, I urge you to come out and vote on September the 12th. And if you are not registered to vote, you still have time. You have until August the 18th, about 2 weeks from today, to register and gain the privilege of voting and speaking for yourselves. Thank you. I'm sorry.
abîme. Results are back. The reason you can't conceive is because you developed an infection after the abortion procedure. Abortion? Baby, look, I can explain. Therefore, the egg and the sperms cannot meet. So there's no possible way for natural conception. I'm sorry. J'ai braqué sous j'en tout cas semblé goûter miel ou même femelle v'lè vine fort la cou bien ça qui campé au jaloux ou met tout moun au garde à vous personne baga fait demi tour chaque fois ouvert bouche ou pour parler. A swè a la se ou ki ren, ou meriton go kout amen. Ay, ou mè de lot yo nan la pen. Ou san problem ki pa ge solisyon. Ou san
sou yo te kopye. Yo sekre moun pa ka konran. Ou son ti fe pa jam fe san. Ay, non e gado li pa psis bon. Ou son problem ki pa gen solisyon. Ou son poem ki chaje. Les hommes à soleil, oh, ou fait la porte de Yadjio. Téléspectateurs, c'était avec vous Jean-Bernard Collet, profil des pages, des caméras, nous avons Maslin Jérôme comme producteur. Nous avons nous avec nous aujourd'hui deux représentants, deux grands personnages dans la communauté, qui c'était Pasteur Emmanuel, qui parlait nous de l'importance nous avons pour nous sortir, pour nous voter, l'importance qui gagne pour nous involver dans ce qu'a fait dans la communauté. En plus, il faut inviter nous dans des bagages qui sont bons pour nous-mêmes, nous parler. Ça vient faire la communauté haïtienne nous représenter moins dans le secteur côté nous vivons là. Eh bien, sorti, les invités nous, vini pour nous cacher, attendre ce qu'a bon pour nous. Devant la caméra, c'était Jean-Bernard Collin qui était là pour te servir. Derrière la caméra, c'est Maslin Jérôme. Avec vous pour une prochaine édition. Ciao. Profil de page. Profil de page.
Profil de page. Profil de page. Profil de page. Profil de page.